des enfants qui jouent contre une équipe d'hommes. Bah écoute, bah ouais, il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Pour vous mesdames et messieurs, Charlie Tang. Salut. Maintenant c'est le football. Come on you Reds. Go Spurs. Come on you Reds. Grease. Grease. Bon toi Charles, comment tu vas? Non. Le dernier son que t'as écouté dans la voiture. Tout à l'heure, c'était mon fils, je sais pas, il écoutait un rappeur, ça s'appelle Zola. Mon fils qui a eu sa terre dans la voiture, je connais pas. C'est un petit jeune en motocross. D'accord. Comme Saint-Jean-Yves. Comment ça se passait au niveau de tes vacances? Toi, tu faisais des gros barbecues une fois la saison terminée ou... Alors ça, c'était vraiment mon problème, c'est-à-dire que je partais en vacances, je faisais 94 kilos, je revenais, je passais la barre des 100 très facilement. J'étais pas le dernier à table. L'endroit où j'ai le plus aimé la bouffe, c'est... Ah ouais, très sincèrement, à Athènes. Franchement, la salade était vraiment bonne et les produits de la mer étaient vraiment très frais. T'es un mec de fruits de mer? Ouais, énormément, ouais. J'adore le poisson, moi. J'adore la viande et le poisson. J'adore le poisson. Voilà, voilà. Voilà. Ah non, pas ça. Non, allez, non, Moussa. Non, pas avec lui, mais non. Eh là, un contrat avec Moussa Sissoko, tu vas aller où? Regarde-moi ça, c'est un mur le mec. Et sur les 4 premiers mètres, il peut, mais putain, dans la foulée, enfin, sur la distance, c'est impossible. T'es arrivé en, je crois, 2007 à Liverpool à peu près, un truc comme ça. Je sais plus si c'est 2007 ou 2008, c'est une des deux ouais, années. Ouais, donc un peu après qu'ils aient gagné la fameuse finale, ouais, c'était quelque chose, ils en reparlaient souvent de ce match un peu, on va dire, complètement... Ouais, complètement fou. Non, ils en parlaient pas énormément, non. Tu fais la fête peut-être 3 jours, 4 jours, mais ensuite on repart au boulot. Report mastic, c'est ce qui fait la différence entre les équipes de bon niveau comme Tottenham et les clubs de grand niveau comme Liverpool. Quoi. C'était quoi ta plus grande technique de drague, toi, Charles? Ma plus grande technique de drague? Ouais. Mais je suis marié, moi, coucou. Non, mais avant. Et je suis marié depuis plus de 20 ans. Ah putain. Alors raconte comment t'as dragué ta femme, alors, comme ça on dit. Comment j'ai dragué? Bah, j'étais en scooter. Ah. J'étais en scooter et je me suis complètement vautré devant elle. Ouais, putain, laisse tomber. Je me suis vautré complètement devant elle. Elle a rigolé et puis du coup, j'ai... Voilà, ma technique, c'était d'être un peu con. Toi, Charles, dans toute ta carrière, c'était qui le joueur qui t'a le plus impressionné? Steven Gerrard. Ouais. Steven Gerrard. Il n'y a pas d'autres personnes. Steven Gerrard. Ah, Steven Gerrard, allez. C'est quoi qui t'impressionnait le plus? C'est-à-dire que de son professionnalisme à sa qualité de joueur, il n'y avait rien à redire. Il se faisait U à Newcastle, crée un ballon à 25 mètres, il décale, il te met une sacoche. Mais une sacoche. Ouais. J'y ai pas cru. Et je me retourne vers le docteur, je dis mais putain, bouh, il est incroyable ce joueur. Il me dit bah ouais, mais c'est toutes les semaines comme ça, week in et week out. Bon, les gars, j'aime battre, je reviens. Ouais, vas-y, moi j'aime pas ces joueurs. C'est à mon avis, c'est Dele Alli qui va sortir. Ouais, il fait un bon match sur 10, t'as l'impression, et c'est jamais celui que je regarde. Super crispé. Bon, alors, Charles, donc c'est ton fils? C'est mon fils, ouais. Est-ce que tu l'as élevé à la chicotte? Toujours. Ça oui. Ah oui. Merci. Ah oui. T'as pas douté quand t'as amené le petit monsieur à une teuf, tu vois? Non, j'ai surtout douté, j'ai eu très peur quand je l'ai eu, quoi. J'ai été pris de panique. C'est une énorme responsabilité. Oui, c'est sûr. Et j'avais pas envie de passer au travers. Et avec la carrière, comment on fait pour gérer les deux, tu vois? Parce que... J'ai la chance d'avoir une femme qui s'est très 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 bien occupée de mes enfants. Oui. Oh là là. Le but, c'est là-bas, en fait. Ouais. T'as compris le principe? Dès que Hugo capte une balle, on boit. Comment? Oui, il a capté. Cul sec, il a capté le ballon, il a dit. T'es pas cul sec. Il a capté. Superbe. Cul sec. Allez. Non, quand même pas. Doucement. On est ensemble. Putain, les gars, je suis bourré. Il est pas dedans, Harry Kane.
Tu vois, il sort des blessures, il est pas dedans. Ça fait 75 semaines qu'il a pas joué au foot. C'est ça, rien qui vient. C'est quand même un mauvais choix, tu vois. Non, c'est un choix risqué. Non, il y a rien. Il a regardé une vidéo sur YouTube de Neymar, c'est obligé. Il a rien. Ça convient. Toi, Charles, t'as joué avec la sélection camerounaise. Ouais. T'as fait quelle Coupe du Monde? Au Brésil. Ouais, c'était les vacances, quoi. Ouais, exact. Oh, s'il avait écarté sur rien, Rudy, pas inquiet, zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Oh oui. Ah bah non. Oh non. On a eu un effet de pied. Bien joué. Carton. Bien joué. Sa mère. Oh là là. Oh, quel arrêt. Pourquoi les arbitres sont tous chauves? Oui, ils sont assureurs dans le civil. Non, ça va, moi je ferai ce qu'il faut. Je ferai comme Antonio Conte, t'inquiète. Ouais, mais... Aïe, 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 aïe. Penalty. Non. Var. Il y a la VAR. L'an dernier, c'est le gardien qui les a fait perdre. 75 millions, oui. Cette année, c'est le gardien qui les fait gagner. C'est exactement ça. Oh. Offside. Il y a hors-jeu. Putain. Dangereux. Main. J'ai le démon, mais en tout cas c'était un bon match. Merci Charles, merci le U. On a vécu un bon moment. Merci les gars, je me suis éclaté. Merci hein. C'est vrai, t'as kiffé. Belle victoire, bravo. Kiffé, ouais. Bon allez, c'est tant mieux alors. C'était top. Et ben, on va aller boire des coups pour fêter ça. Allons-y. Allez, c'est parti. C'est ce que je vous laisse. Ciao.